Et on est de retour sur le plateau du morning. Bienvenue, bon réveil. Si vous nous rejoignez, la vague terroriste se poursuit toujours en Israël. L'intifada des couteaux ne faiblit pas, bien au contraire. Le week-end a été particulièrement violent. Des attaques qui devraient d'ailleurs durer encore plusieurs mois, selon les experts militaires israéliens. Joseph Emmanuel. Deux attaques en moins de 3 heures ont eu lieu ce dimanche à Jérusalem. La première, tôt dans la matinée, face à la porte de Damas, à l'entrée de la vieille ville. Comme chaque jour, la police des frontières monte la garde. Un Palestinien surgit, crie « Allahu Akbar » et poignarde l'un des policiers au niveau du cou. Le terroriste est alors abattu sur le champ. C'est un Palestinien de 38 ans, originaire de la ville palestinienne de Naplouse. Le policier blessé a une vingtaine d'années. Il a immédiatement été évacué vers l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem. Et les enquêteurs prennent le relais sur place pour collecter des preuves. Les médecins légistes travaillent sur le site. Jérusalem est sécurisée à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la ville, particulièrement autour de la porte de Damas où a lieu l'attaque. La porte de Damas a été le théâtre de plusieurs attaques au couteau contre des Israéliens au cours des dernières semaines. Et comme l'assaillant de ce dimanche, beaucoup des terroristes viennent de Naplouse, au lieu de la deuxième intifada. Toujours dans la matinée de dimanche, encore à Jérusalem, c'est une travailleuse étrangère originaire du Népal qui a été prise pour cible par un Palestinien. La jeune femme attend alors à une station d'autobus. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour. J'écoutais de la musique. Il est arrivé près de moi, un jeune, et m'a poignardé avec un couteau ou quelque chose comme ça. Issoraï ne comprend pas tout de suite qu'elle vient d'être victime d'un attentat. Le jeune Palestinien l'a poignardé dans le dos avant de prendre la fuite. C'est un conducteur de bus qui aide la victime et appelle les secours. Le terroriste est appréhendé par la police quelques minutes plus tard sur un chantier d'un immeuble en construction. C'est un Palestinien de 17 ans et le Premier ministre a réagi à ces attaques. Il ouvre sa séance en rappelant qu'il y a 68 ans, jour pour jour, l'ONU votait la partition de la Palestine en un État arabe et un État juif. Il rappelle également que les actes terroristes accompagnent Israël depuis le commencement. Ces actes terroristes nous accompagnent depuis plus de 100 ans, mais ils ne nous ont jamais abattus, comme ils ne nous abattent pas non plus aujourd'hui. Ce qui cause ce terrorisme, c'est le fait de refuser l'existence de l'État d'Israël comme le pays du peuple juif, sous quelque forme que ce soit. Les attaques par des Palestiniens contre des civils israéliens ou des forces de sécurité sont devenues un phénomène quasi quotidien ces derniers mois. Depuis le 13 septembre, 80 attaques au couteau ont lieu en Israël, 10 attaques à la voiture bélier et 29 fusillades. Au total, 21 Israéliens sont morts et plus de 200 ont été blessés, dont 21 dans un état grave. Et face à ces attaques incessantes, la riposte mise en place par Israël est double, usée du bâton et de la carotte. Ce sont les enseignements de la deuxième intifada. Une main trop ferme ne fera qu'attiser la colère des Palestiniens. De l'eau et non du carburant pour éteindre l'incendie. Daniel Haïk, à Jérusalem, on vous retrouve, c'est bien la doctrine du moment. Oui, cela pourrait être la doctrine du moment. Ce que l'on constate au cours des derniers jours, c'est qu'il y a deux approches divergentes. On pourrait même parler d'approches contradictoires entre, d'un côté, l'échelon militaire et de l'autre côté, l'échelon politique. Alors, du côté des militaires, on affirme qu'il faut absolument faire des gestes en direction de l'autorité palestinienne pour calmer l'actuelle vague de violence. Alors, de quels gestes s'agit-il ? Il pourrait s'agir, par exemple, de gestes sécuritaires, sans aller jusqu'à fournir des armes aux forces de sécurité palestiniennes. On pourrait, par exemple, leur donner les moyens de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Il pourrait y avoir également des mesures socio-économiques, comme par exemple accorder plus de permis de travail à des Palestiniens à l'intérieur du territoire israélien ou des permis de construire dans les localités palestiniennes des territoires. Mais face à cela, eh bien, il y a l'autre approche, l'approche de l'échelon politique de Benjamin Netanyahou qui s'oppose à tout geste. Et Benjamin Netanyahou l'a affirmé la semaine dernière à John Kerry, pas de geste en direction des Palestiniens tant que le calme ne sera pas revenu. Il n'est pas question, par exemple, a dit Benjamin Netanyahou, de céder le moindre pouce
de la zone C qui est sous contrôle israélien, comme on l'avait supposé il y a quelques jours. Pas question également de permettre la construction de logements dans les localités palestiniennes tant que la communauté internationale n'aura pas permis à Israël de construire dans les implantations des blocs, des fameux blocs d'implantation en Judée et Samarie. Alors quelle approche, Daniel, va finir par l'emporter? Qu'est-ce qui permettra de restituer le calme? Bien écoutez, vous le savez, en démocratie, c'est toujours l'approche de l'échelon politique qui a le dessus et qui l'emporte sur les positions des militaires. Mais il faut bien reconnaître que l'on est perplexe dans le cas précis. Du côté de l'armée israélienne, on affirme que cette vague de violence va se poursuivre au cours des prochains mois et l'on tente de tout faire pour la maîtriser d'une certaine manière. Un responsable de la sécurité a affirmé qu'il y avait des attentats qui avaient été déjoués, des attentats bien plus grave que ceux qui s'étaient produits jusqu'à présent. Et du côté donc de l'échelon militaire, on affirme qu'il faudra faire preuve de patience et également de vigilance, vigilance de la part de la population israélienne. La preuve, c'est que 9 des 10 cas de terrorisme qui se sont produits, eh bien, ce sont des civils et des militaires israéliens qui se trouvaient sur les sites des attentats, qui ont déjoué les attentats et qui ont neutralisé les terroristes. Voilà, une vague terroriste qui se poursuit. Merci Daniel. Et puis pointé du doigt comme principal moteur de ces attaques, c'est l'incitation à la haine dans les médias et les réseaux sociaux palestiniens. L'armée israélienne a fermé une nouvelle radio palestinienne à Hébron. C'était la nuit dernière. Reportage Maël Benoliel. La voix de ceux qui n'en ont pas. C'était la devise de Al-Hurriya, une des radios les plus populaires de Hébron, avant que sa diffusion ne soit stoppée net du jour au lendemain. Il y a environ un mois, son directeur, Ayman Kawasme, a vu débarquer en pleine nuit l'armée israélienne dans ses locaux avec l'ordre de mettre un terme à la diffusion pour les 6 prochains mois. Tout a été détruit ici, ici aussi, et là aussi. Et là, c'est la porte qui est fermée. C'est un immeuble important et ici à l'intérieur il y avait beaucoup d'équipements, mais tout a été détruit. Raison invoquée par Tsahal, des programmes plus que douteux qui joueraient un rôle moteur dans les violences qui secouent la région depuis le 1er octobre. Un mouvement que certains qualifient même d'intifada des couteaux. Après la fermeture de sa radio, Ayman n'a pas renoncé pour autant à occuper les ondes. Il a obtenu quelques heures de diffusion auprès d'une radio voisine. Depuis les locaux de cette dernière, il se défend d'avoir fait l'apologie du terrorisme. Non, pas du tout. Celui qui incite à la haine, c'est Israël. J'ai toute une équipe qui se charge de traduire la presse israélienne en arabe. Moi, je ne fais que citer cette même presse dans mes émissions, donc s'il y a incitation de la part de quelqu'un, c'est bien d'Israël. Depuis que nous ne sommes plus diffusés, il y a eu d'autres attentats au couteau ou à la voiture bélier, mais aussi à l'arme à feu, donc ça prouve bien que ce qu'Israël dit de notre radio est un mensonge. C'est déjà la troisième fois que cette radio se voit interdire des ondes pour une durée temporaire, pour les mêmes motifs. Car pour Israël, nul doute que Al-Hurriya a un rôle dans les violences. Mais qu'en est-il de la réaction de l'autorité palestinienne? C'est au quartier général de la province de Hébron, auprès du gouverneur de cette ville autonome palestinienne, que nous avons essayé d'obtenir une réponse, mais sans succès. Israël se mêle de ce qui ne le regarde pas en Cisjordanie. Les autorités israéliennes prennent des décisions unilatérales. Elles décident de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui rentre dans le cadre de la loi et de ceux qui ne rentrent pas. Ils sont jugés partis et les assaillants sont tout simplement exécutés. Nous n'avons aucune preuve que la radio a incité à la haine. Nous n'avons reçu aucun avertissement ni de l'autorité palestinienne ni de personne d'autre. Il n'y a rien de nouveau. Nous connaissons la politique d'Israël. Cela fait partie d'une punition collective. Cela revient à réduire au silence tous ceux qui essayent de dire la vérité. C'est une atteinte à leur liberté.
Malgré les efforts des forces de sécurité israéliennes, la région d'Hébron a été à elle toute seule le théâtre depuis début octobre de plusieurs dizaines d'attaques palestiniennes contre des soldats et des civils israéliens. Au moins 20 d'entre elles étaient des attaques au couteau. Et toujours concernant Israël, cette annonce plutôt étonnante. Le pays va ouvrir une représentation économique dans l'émirat d'Abu Dhabi. Officiellement, aucune relation diplomatique n'existe entre les deux États. Mais la nouvelle donne géopolitique de la région redistribue les cartes auprès des pays du Golfe. Jonathan Serrero. Israël présent aux Émirats arabes unis, l'État hébreu va pour la première fois ouvrir une mission à Abu Dhabi au siège de l'IRENA, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Le directeur des bureaux de la diplomatie, Doré Gold, a scellé la présence israélienne aux Émirats lors d'une réunion de l'instance onusienne organisée la semaine dernière dans la principauté arabe. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères émirati, cette représentation israélienne n'influera toutefois en rien sur l'absence de relations avec l'État hébreu. Pour le Premier ministre Netanyahou, l'ouverture de cette mission constitue une percée politique. Je tiens à souligner le travail exceptionnel réalisé par les services de la diplomatie et celui du directeur des bureaux de Rigold pour l'ouverture d'un bureau à Abu Dhabi. Cette annonce prouve l'estime portée par les pays du monde et du Moyen-Orient pour les travaux effectués par Israël dans de nombreux domaines et notamment dans le secteur technologique. Une sortie médiatique sur le sujet qui confirme les velléités de rapprochement du Premier ministre israélien avec les pays arabes du Golfe, notamment au regard de l'accord sur le nucléaire iranien. Benjamin Netanyahou joue ainsi la carte de la menace d'une république islamique nucléarisée pour nouer des alliances stratégiques avec les puissances de la péninsule arabique et Riyad en particulier. Cette présence israélienne dans les Émirats s'ajoute par ailleurs à celle observée un temps au Qatar. De 1996 à l'an 2000, l'État hébreu a entretenu des liens commerciaux avec Doha au travers de la création d'un bureau, un bureau fermé au moment de la seconde intifada.